Là, ici, c'est où je viens de tuer les mobs, non? C'est donc pas par là. On va essayer de trouver l'ennemi, là. Il y a un ennemi à gauche. Où est-ce que je peux... Ouais. Où est-ce que je peux descendre? Vous passez par un autre endroit encore? Apparemment. Elles sont sympas les musiques des donjons de Illusion of Time. Elles rappellent un peu celles de... C'est très guerrier, très tribal et ça me rappelle un peu Secret of Evermore en fait. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un accès en bas que je regarde, que je vois pas en fait? Non. Bon bah ce serait par là alors. Ouais. Ah ouais mais là c'est là où je pouvais pas passer. Ah ah. Ah si je peux. Bien sûr que je peux maintenant. Faut que je réveille machin là. Ah y a un bug de hitbox. On peut le toucher. C'est son bras en fait qui doit dépasser. Alors. Comment on monte? Je galère un peu avec ça. Faut que... Ah bah non, c'est bon. Non, rien en bas. Les ennemis les moins bien placés du monde. Les ennemis coincés dans des blocs. Non, voilà, j'ai failli perdre mon rubis. Mon joyau, je sais plus. Des rubis, je crois. Non, rubis de feu, donc bah c'est des joyaux. Est-ce qu'il y a des trucs en haut? On va aller voir en bas d'abord. Et j'ai regagné une vie que j'ai perdu bêtement tout à l'heure. D'accord. Alors, il y a un passage avec des pics. Et puis, il y a un interrupteur, donc ça me paraît assez clair comme principe. Et c'était chaud quand même, hein. Il y a des ennemis. Il y a un passage encore pour Paul. Et voilà. Il y a des ennemis. Est-ce que je peux le tuer lui? Si je peux le tuer comme un lâche, je profite. Hein. D'accord, ça a débloqué une statue d'oiseau. Les statues d'oiseau, ça me fait penser au... C'est dans Metroid, je crois, qu'il y a un peuple oiseau comme ça. Avec des ruines. Lui, je présume qu'il faut le... Ah! Tu veux pas venir plus proche? Sinon, c'est pas grave, hein. Sinon, j'ai ça. Alors. Ah bah, alors là, ça, c'est mauvais timing total. Il y a un ennemi en haut. Et il y a un passage. Pour l'instant, ça se passe bien. À part mes deux vies perdues au début. D'accord. Alors là, c'est pas dur de comprendre ce qu'elle va nous donner, Gaïa. Effectivement. Je vais redevenir Paul, ça m'embête. Mais je pense que j'ai pas le choix. Nouveau pouvoir de Paul. Je redeviens Paul d'abord. Et je gagne un nouveau pouvoir. Le Psycho Slider.
Alors, seul Paul peut utiliser ce pouvoir. Tu peux utiliser la glissade pour passer à travers de petits passages. Appuie sur le bouton d'attaque quand tu cours. Ah d'accord, il n'y a pas besoin de charger. Ah ça va être sympa pour mettre beaucoup de dégâts aux ennemis, je pense. Petite sauvegarde. Bon bah j'ai plus qu'à retourner à l'endroit où il y a des... Où il y a des trous. Mais il y avait un passage que j'avais pas exploré non plus. Ah! Trop précipité. Bon bah voilà, c'est ici. Youhou! Il y a des ennemis que j'aime pas bien. En plus, ils sont rapprochés. Une bubule. On va essayer de bien le placer. Voilà, ça me paraît bien. Je galère, hein? Ah! Plus proche? Ah voilà, fallait juste le coller. D'accord, il est pas chiant lui, hein. Narcoleptique en fait. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Ah, tant pis, je me rendors. Oui. 4 ennemis. Oh là là. Allez, viens, viens tout seul. Voilà, prudemment. D'accord, maximum 5. C'est une ou 5, apparemment. Ah putain, il y en a un autre. Allez, viens. Oh. Et viens. 2, 3, 4, 5. Ah, je me suis gouré de boutons. Bon, ça, bah, je les gère maintenant. Ah! Ah bah non, on revient quand même, on s'amusait bien. 2, 3, 4, 5. Je sais pas pourquoi des... Il essaie de me viser, mais il lance complètement à côté. Oula, il fallait me toucher lui. J'ai débloqué une deuxième statue. Donc à mon avis, il faut se mettre à l'intersection des deux, mais ça va être un peu plus compliqué. Parce qu'on les voit pas, tout simplement. Elles sont pas sur l'écran. Ok. On va regarder s'il n'y a pas autre chose. Il y a un ennemi en haut, d'accord. Ah, et j'ai gagné des points d'attaque, ça c'est cool. Ça veut dire que j'ai nettoyé cet écran, en tout cas. Alors... Elle est sur cette ligne-là, la ligne du bas. Bon bah écoute, on va... Bah c'était là. J'ai spammé le bouton sur la même ligne jusqu'à que ça passe et c'était là. J'ai trouvé la deuxième statue. Sauf qu'on n'a pas nettoyé complètement l'écran. Ah bah oui. C'est normal, parce qu'il y a encore un niveau de flotte. Je sais pas si je peux me remettre en Chrysaor, mais je pense pas. Je vais essayer de pas faire de bêtises.
Alors sur cet écran, c'est nettoyé. Faut que je redescende. Ouais, mais non. Voilà. Non. C'est de l'autre côté. Je vous spoil pas, hein, mais le boss de ce niveau est réputé pour beaucoup comme étant le plus difficile du jeu. À part une exception qu'on vous verrez en temps voulu. J'espère que je vais pas trop galérer. Au pire, j'utiliserai des herbes. Et surtout, il y a une petite astuce. Il y a plein de gens qui galèrent parce qu'ils le font en tant que Paul, mais on peut le faire en tant que Chrysaor. Faut qu'on se tape un petit détour, qu'on fera, hein. Parce que, bon... Les boss, ils ont tendance à me déglinguer. Donc on va pas prendre de risques. On peut le faire en tant que Chrysaor quand même. Et faire un détour. Alors elle est où la salle? Elle est pas ici la salle, par contre je veux bien reprendre des points de vie. Voilà, bon, en gros elle nous explique que le Psycho Slider ça sert pour les passages, mais bon on a compris. Hein. C'est le principe des jeux d'aventure depuis très longtemps. On gagne une nouvelle compétence, et juste avant on avait vu des passages où on pouvait pas passer, avec cette nouvelle compétence ou ce nouvel objet, on peut désormais passer. C'est les bases des Zelda-like, comme Illusion of Time d'ailleurs, et des Metroidvania, qui sont, en y réfléchissant bien, les jeux d'aventure à la Zelda, c'est la version vue du dessus des Metroidvania. Les Metroidvania, c'est le pendant plateforme. Bah du coup, ouais, bon, Zelda 2 sur NES. C'est pas vraiment un jeu de plateforme, mais c'est plus ou moins un Metroidvania, du coup. Sans le côté plateforme. Alors, elle est où, cette salle? Il me semble qu'elle est... Oula. Elle était à un niveau comme ça, sous l'eau. Premier niveau d'eau. Ah bah... Je t'avais pas vu, toi. Ouais, bon, j'ai bien fait de pas me remettre en Chrysaor. Parce que faut passer par là, on dirait. D'accord, il y a un coffre. Est-ce qu'il y a des ennemis à buter? Non. Bah non, ça c'est la première salle, ça, non? Ah, ça c'est le début du jeu en fait. Je suis revenu dans au tout début. Bon, on va suivre le chemin. À moins qu'il n'y avait pas une salle là où il y avait une salle, je sais plus. Ici. Ah si, il y a une salle, c'est ici donc. Je m'équipe de ma statue de l'espoir. Et je la place. Et pareil, on entend un étrange murmure. Whisper, c'est plus murmure que soupir. Le dieu soleil, Rama, l'océan détient le pouvoir. D'accord. Non, bon là ça a pas dit, mais le niveau d'eau a encore baissé. Normalement c'est ça le principe. Hein. Alors un coffre. Et un rubis de feu. Que je vais donner tout de suite. Voilà. Il est parti dans le ciel. Samuel Bijoutier, livraison Amazon par drone. C'est pas là qu'il fallait descendre. Par contre, là, il suffit de suivre où il y a des ennemis, je pense que c'est un bon plan. Ou pas. Il y a bien des ennemis à battre là, mais je sais pas comment on passe. Bon, bah c'est pas là. Non, cul-de-sac. On va faut remonter, je pense. Là, il y a la glissade. Est-ce que je suis obligé de l'utiliser?
suis pas obligé, mais je vais le faire. Hop. Non. Voilà. Il y a un ennemi qui est paumé en bas. On va essayer d'aller lui faire un coup. Voilà. Là, je suis sur... Ah, encore de la glissade. Je suis sur la bonne route. Alors. Voilà. Ah bah des points de vie pour un coup j'en ai pas besoin. Bon. Par contre... Ah ah! Non! Ah. J'ai failli lui bloquer son tir. Hein. Des points de vie. Je crache pas dessus. Ça veut dire que j'ai fini cette zone au niveau des ennemis et en haut il y a un truc de Gaïa. Bah, c'est le même que tout à l'heure, c'est juste avant il y avait de l'eau ici. Est-ce qu'il y a un accès? Deux ennemis. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas tenté ça. Ah oui, ça fait mal la glissade. J'aime beaucoup. Par contre, m'attaquer dans un labyrinthe, c'est pas fair play du tout, monsieur. Allez, viens. Bon, des fois, ce jeu n'a aucune logique. Là, il est même pas sur le même plan que moi, j'arrive à le toucher. Voilà. Bah, j'ai tué tous les ennemis ici. Je vais quand même aller voir... Si la suite du jeu n'est pas par là, j'en doute. Zéro ennemi non plus. Il y a de la glissade, mais on peut descendre. Mais pas en passant par là, on dirait. On va aller voir avec la glissade. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, il y a le passage avec... C'est pas par là, je pense. Ici, c'était la salle pour avoir la deuxième statue. Hop là. Alors, faut aller là en bas. Est-ce qu'il y a des ennemis ici? Non, il n'y en a pas. Est-ce que j'aurais pas déjà nettoyé toutes les salles? Je crois pas, hein, parce qu'il y avait une salle... Il y avait un endroit avec des golems à un moment. Que j'ai vu sur le côté, en plus j'ai dit qu'il y en avait plusieurs et je les ai pas tués. Alors par là peut-être. Ouais, voilà, il reste deux ennemis. Ceux-là je m'en rappelais. Ah, il y a un magicien on dirait. Ah bah non, les deux ennemis c'est des magiciens en fait. Ça c'est pas cool de me prendre en sandwich. Très bien. Non. Je dois aller forcément à la porte qu'on a vue. Mais je suis pas sûr que ce soit ici. Voilà.